Cela vous arrive-t-il parfois de ne pas savoir comment faire? De vous sentir un petit peu démuni, de vous dire que finalement, il n'y a personne qui va pouvoir vous aider parce que vous avez pris l'habitude depuis très longtemps de fonctionner tout seul. Et demander de l'aide, pour vous, c'est quelque chose de très compliqué. D'une, parce que vous avez l'impression que si vous demandez de l'aide, ce ne sera pas fait comme vous le souhaitez. De deux, du coup, si vous devez repasser derrière parce que c'est pas comme vous voulez, ça n'ira pas. Et de trois, parce que c'est pas quelque chose que vous avez dans vos habitudes tout simplement et que vous faites tout par vous-même. Alors, si vous êtes dans cette catégorie de tout faire par vous-même, je vous invite vraiment à identifier autour de vous, voir s'il y a des personnes ressources qui peuvent vous soutenir, vous libérer votre parole parfois. Et vous aider vraiment à aller de l'avant parce que parfois on rumine et c'est pas la bonne solution. D'accord? Alors, pour avoir été longtemps dans le côté je ne sais pas demander de l'aide, j'ai appris à le faire et je vous invite aujourd'hui à ouvrir les yeux et autour de vous de voir que vous avez plein de pépites et des personnes qui, j'en suis sûre, seront ravies de pouvoir vous donner un coup de main ou tout simplement vous venir en aide.